Pour rappel, dans l'épisode précédent, on s'est fixé l'objectif de voir à quoi ressemblerait une planète de l'envergure de la Terre, recouverte uniquement d'une seule et même ville. Pour ce faire, on est donc parti de l'exemple de Coruscant, une planète-ville dans l'univers de Star Wars. Et en bref, voilà ce qu'on avait dit. Coruscant est située au beau milieu de sa galaxie, dans une civilisation de type 3, caractéristique qui permet à notre planète d'avoir accès à une énergie illimitée, grâce notamment aux ressources énergétiques disponibles dans les étoiles de sa galaxie. Sur cette planète, c'est bien 14 000 milliards d'habitants qui sont répartis entre la surface et les plus de 5 000 niveaux souterrains habités. On a donc une énorme population qui a des besoins conséquents en eau et en nourriture. Deux types de besoins primaires qui, comme on l'a vu, peuvent être assouvis de deux manières principales. De 1, grâce aux importations depuis d'autres planètes, qui sont facilement accessibles pour une civilisation de type 3. Et de 2, grâce aux avancées technologiques exceptionnelles qu'ils ont à leur disposition et qui leur permettent de répondre à ces besoins primaires. Enfin, globalement, la dernière fois, on a vu les bases et on a pu dessiner un bon premier portrait de notre planète-ville. Mais il nous reste encore beaucoup de sujets à aborder. À commencer par les infrastructures futuristes de la ville. En poursuivant par les problèmes d'air et de chaleur qui pourraient être fatals. Pour enfin finir par les problèmes d'ordre sociaux qui séviraient à coup sûr sur notre planète cyberpunk. Un dernier point qui nous mettra d'ailleurs sur la route d'une vraie anecdote de notre monde, celle de la ville ayant eu la plus grande densité de population dans l'histoire. Aujourd'hui, spéculation. Avant de commencer, on va revenir vite fait sur quelques points de la partie 1, parce qu'il y a eu des échanges dans les commentaires, ce que je trouve forcément appréciable, surtout quand c'est fait dans la bienveillance, comme ici. Déjà, à propos de l'énergie, au-delà de notre postulat d'énergie illimitée, j'avais mis en lumière la difficulté de stocker cette énergie. J'avais alors dit qu'ils auraient sûrement des solutions au regard de leurs avancées technologiques, mais j'avais pas pensé à un exemple concret de l'univers de Star Wars que quelqu'un a pourtant donné en commentaire, celui des cristaux Kyber, un matériau qui semble en effet être une bonne option pour le stocker. D'énergie. Pour info, dans Star Wars, ces cristaux, ils fournissent, entre autres au sabre laser, la très grande énergie dont ils ont besoin pour fonctionner. These crystals store and amplify energy. Enfin, à propos des solutions pour l'eau, j'ai eu beaucoup de retours sur le fait qu'elle n'avait pas besoin d'être acheminée quotidiennement depuis d'autres planètes, et qu'il fallait plus voir l'importation comme une solution ponctuelle, parce qu'une fois qu'on a une certaine quantité d'eau, elle disparaît pas intégralement du jour au lendemain dans l'espace. Non, elle devient juste de l'eau usée à prendre en charge. Alors, je suis évidemment entièrement d'accord, mais de toute façon je me suis mal exprimé dans la partie sur l'eau, j'ai voulu chiffrer ça, ramener la consommation par habitant et par jour, mais c'était pas pertinent et ça a plus embrouillé le truc qu'autre chose. Après, pour ma défense, ce sujet des eaux usées et de leur réutilisation, je comptais justement l'aborder dans la partie que j'ai teasée à la fin de la vidéo mais que j'avais pas eu le temps de faire, à savoir celle que je vais faire maintenant sur les déchets et infrastructures. Premier type de déchets, on l'a dit, c'est l'eau. Et je vais pas développer plus que ça, mais pour éviter les pénuries et les importations de masse, faudrait construire le système le plus durable possible. Faudrait que toutes nos eaux usées soient acheminées, puis traitées efficacement pour être réinjectées dans le circuit et réutilisées. Après les eaux usées, parlons des autres déchets, qu'ils soient alimentaires ou autres. Parce qu'au stade d'une planète-ville, on imagine bien que ça doit être un délire les déchets. Et oui, là encore, pour ça, il faudrait sans surprise développer des méthodes de recyclage des déchets ayant une efficacité proche de 100%. Et en complément de ça, il faudrait aussi appliquer des politiques zéro déchet très intenses, c'est-à-dire le moins de gaspillage et d'emballage possible. Ok, toutes ces solutions idéalistes sont bien belles, mais vraisemblablement, ce qui pourrait se passer avec l'excédent de déchets, c'est qu'ils soient massivement exportés. J'imagine ici des centres de traitement qui compacteraient tous nos déchets pour les rendre facilement transportables, puis des flottes de vaisseaux, par exemple ceux qui amènent la nourriture, qui quitteraient Coruscant avec des cargaisons de déchets ayant pour destin, par exemple, d'être largués dans une étoile quelconque. Quoi ? Non, ou plutôt d'être acheminé vers des planètes déchetteries, genre des grands espaces destinés uniquement à stocker slash traiter les déchets. Vraie question d'ailleurs, est-ce que c'est éthique ou pas de se servir d'une planète comme déchetterie géante, si tant est que celle-ci n'abrite pas la vie et n'a pas d'autres fonctions ? Bonne question.
Sur ce, c'est fini pour les déchets et les eaux usées, qui nécessitent donc toute une logistique et des infrastructures, au même titre que d'autres aspects vitaux qu'on n'a pas encore évoqués, genre les réseaux électriques, les réseaux de télécommunications, le système de santé, ou encore les transports, qui seraient un véritable casse-tête. Allez, développons au moins les transports. Déjà, pour les voyages courtes distances, bah bien que pour moi c'est pas la meilleure des solutions, la réponse est dans les films. Ils utilisent des voitures volantes, et la circulation semble assez intense d'ailleurs. Donc au regard de cette densité de circulation, il faudrait au maximum des véhicules autonomes afin d'éviter les embouteillages ainsi que les accidents, si on garde cette solution de voiture volante. Et ensuite, pour les voyages plus longue distance, bah il pourrait tout simplement y avoir des lignes grande vitesse en altitude où les gens utiliseraient leur vaisseau à des vitesses plus importantes, un peu comme on le fait avec les avions sur les lignes aériennes dans notre monde. Ou alors, comme on est dans une planète ville, on pourrait utiliser le moyen de transport le plus commun qu'on a dans les grandes villes d'aujourd'hui sur Terre, les transports souterrains. Bon, je vous parle pas là d'un simple le métro, mais plutôt de son évolution futuriste. J'ai ici en tête par exemple le VacTrain, qui est un concept de transport ferroviaire à grande vitesse, où des trains se déplacent dans des tubes sous basse pression, et où ils peuvent théoriquement atteindre des vitesses allant jusqu'à 8000 km/h. D'autant que le concept de VacTrain se base sur la lévitation magnétique, donc quelque chose qui semble être bien maîtrisé dans Star Wars, au regard de certains véhicules qu'on peut voir utilisés dans les films. Pour info, ce type de technologie, le VacTrain, il est à l'étude sur Terre et vous le connaissez peut-être sous le nom d'Hyperloop, qui est un projet de recherche industrielle à ce sujet proposé en 2013 par Elon Musk. Cette fois, on va dire qu'on a fait le tour pour ces questions de déchets et d'infrastructures. Maintenant, faisons confiance à nos ingénieurs locaux et au fait que la galaxie Star Wars est incroyablement avancée technologiquement. Sur ce, fini de proposer des solutions, il est l'heure de juste pointer des conséquences terribles d'une planète ville. Et après la nourriture et l'eau, attaquons-nous à un autre besoin vital, celui de respirer. Le dioxygène, c'est la vie, c'est ce dont on a besoin, nous et toute espèce vivante, pour respirer et donc survivre. Dans notre atmosphère, sa concentration est d'environ 21%. Faudrait donc que sur notre planète Terre transformée en ville, ce taux soit maintenu pour nous permettre de survivre. Bon, je vous le dis direct, sur ce sujet de teneur en dioxygène de l'atmosphère, c'est compliqué de se projeter. Ça spécule. En effet, pour rappel, Coruscant n'a ni océan ni végétation. Or, a priori, ce qui produit le dioxygène, c'est la photosynthèse, qui a lieu sur Terre aussi bien au niveau de la végétation sur les continents qu'au niveau des océans, principalement via les phytoplanctons. Autant dire que Coruscant paraît pas bien compatible avec la photosynthèse. Mais, faut bien préciser que le dioxygène créé par cette photosynthèse qui a lieu à l'instant T, il sert surtout à alimenter les écosystèmes où il est produit. Donc dans le cas de la Terre, à permettre de maintenir la vie dans les forêts et les océans principalement. Tout ça fonctionne en système fermé. Ce que ça veut dire, c'est que si on regarde sur le court terme, bah les forêts et les océans n'ont pas tant ce rôle de poumon de la planète qu'on leur attribue souvent. Ils ne sont pas forcément là pour créer l'oxygène qu'on respire. Non, la majorité de l'oxygène qu'on respire, lui, celui qu'on retrouve dans l'atmosphère, s'il existe, c'est bien grâce à des millions d'années d'histoire géologique vécue par le vivant sur Terre. Des millions d'années de photosynthèse où, très grossièrement, le bilan a pu être bénéfique à l'oxygène, un phénomène qui, sur la durée, a contribué à construire cette atmosphère composée à 20% de dioxygène. Enfin, en résumé, ce que je veux dire, c'est que le dioxygène dans l'atmosphère, il y en a un stock énorme. Donc à court terme, il semble qu'on manquerait pas de dioxygène et qu'on mourrait pas asphyxié instantanément si jamais toute la végétation disparaissait. Bon après, bien sûr qu'à long terme c'est catastrophique de supprimer océans et végétation, mais je voulais juste souligner que c'était plus compliqué que ce qu'on pourrait penser, et qu'avant de manquer de dioxygène, sur un plus court terme, d'autres problèmes interviendraient probablement avec la qualité de l'air. Le principal, c'est probablement celui de la surcharge en dioxyde de carbone de notre atmosphère. En effet, de par ses activités et sa population, Coruscant rejetterait un nombre indécent de CO2 dans l'atmosphère, et ainsi, même si par magie il se trouve qu'on a toujours suffisamment de dioxygène pour respirer, bah ce surplus de dioxyde de carbone, lui, il viendrait bien entacher la qualité de l'air et il aurait bien des conséquences terribles, dont une assez évidente, le réchauffement climatique.
Pour faire très simple, sur Terre, on reçoit de l'énergie via les rayonnements du Soleil. Cette énergie, elle est absorbée et ça crée de la chaleur en surface. Mais dans le même temps, la Terre elle-même dégage de l'énergie dans l'espace, des émissions qui contribuent, elles, à son refroidissement. Ainsi, le système global Terre peut être maintenu à une température stable. Ça paraît nickel, mais dans ce schéma, j'ai oublié un détail capital, à savoir l'atmosphère qui englobe la Terre. Et telle quelle, sans atmosphère, cette température d'équilibre de la Terre, il serait d'environ moins 18 degrés, donc largement inhabitable pour nous. Sauf que, le monde est bien fait, l'atmosphère, cette enveloppe gazeuse dans laquelle la Terre est immergée, il existe bel et bien dans la réalité. Et son avantage, c'est d'empêcher à la totalité de l'énergie émise par la Terre d'aller se perdre dans l'espace. En effet, grâce à l'atmosphère qui est remplie de gaz, appelé gaz à effet de serre, une partie de la chaleur libérée par la Terre sous forme de rayonnement infrarouge est absorbée par ces gaz à effet de serre, ce qui permet donc de conserver plus de chaleur dans cette enveloppe, cette serre, et ainsi d'augmenter la température en surface. Tout ça, c'est à première vue très positif, parce que cet effet de serre, il nous permet de ne pas se les geler sous moins 18 degrés, mais au contraire de maintenir une température stable favorable à la vie d'environ 15 degrés. Le problème, c'est que ces gaz qui sont contenus dans la serre, les activités humaines en dégagent et elles ont donc tendance à les augmenter, ce qui entraîne un effet boule de neige qui a pour conséquence de piéger de plus en plus de chaleur dans l'atmosphère et donc d'augmenter la température globale en surface. Oui, c'est plus à prouver, la plupart des activités humaines sont sources de gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone ou le méthane. Des activités humaines qui sont sources de ces gaz, on peut en citer plein. Enfin, dans le cas de Coruscant, plein de sources démultipliées qui, en plus combinées à l'absence d'arbres et d'océans, donnent un bilan catastrophique et une chaleur naturelle probablement invivable. Ok, voilà pour l'origine des problèmes de chaleur en surface sur Coruscant. Et maintenant, pour finir sur ce sujet, je voulais juste développer une autre petite idée que je trouve intéressante. L'idée qu'à cause du manque de verdure, il peut faire plus chaud en ville qu'à la campagne. Ce phénomène, il est observé en ville sur Terre et il serait donc exacerbé sur Coruscant. En fait, en ville, en été, l'énergie solaire, au lieu d'être captée par les plantes avec la photosynthèse, car il y a peu de plantes en ville, elle est emmagasinée dans les matériaux des bâtiments et dans le bitume. Du coup, la nuit, toute cette énergie qui a été emmagasinée, elle est restituée à l'atmosphère urbaine, ce qui conduit à une augmentation de la température nocturne en ville. Pour info, ce phénomène s'appelle l'îlot de chaleur urbain et il explique pourquoi, la nuit principalement, une sorte de bulle de chaleur peut se créer sur les villes. On le voit d'ailleurs illustré ici dans ce schéma de Météo France appliqué à la ville de Paris et ses périphéries. Voilà donc pour ces deux parties qui contiennent probablement les problèmes les plus complexes à gérer. Et encore une fois, moi, avec cette vidéo, certes j'expose les pires conséquences, mais j'ai pas forcément de solution à apporter. Je mets juste en garde comme quoi si on veut rendre habitable cette planète, ça nécessite une ingénierie planétaire qui prend en compte ces problèmes. Bref, pour l'instant, tout ce qu'on a vu donne pas forcément trop envie d'aller habiter sur Coruscant. Disons que je préférerais aller chiller sur Naboo par exemple. Et encore, j'ai pas tout dit, puisqu'il nous reste d'autres aspects à évoquer. Coruscant, même si son inspiration première c'est probablement la planète Trantor imaginée par Isaac Asimov, je pense qu'au niveau de ce que ça dégage, on peut aussi le rapprocher du Los Angeles de Blade Runner, ou encore plus récemment, du Night City de Cyberpunk 2077. Pourquoi ? Parce que Coruscant, c'est finalement très cyberpunk. Cyberpunk. Le cyberpunk, on peut déjà le retrouver dans l'esthétique de la ville, qui nous rappelle les œuvres citées, mais aussi dans cette idée de futur dystopique. Parce que oui, cyberpunk, c'est certes l'humain qui est passé dans une nouvelle dimension, c'est l'omniprésence des machines, mais cyberpunk, c'est aussi la fracture sociale. Un monde dominé par une partie des plus riches, souvent les grandes entreprises, et où les autres vivent souvent en périphérie de ça. Cet aspect-là, il est important dans la définition, c'est entre autres de lui que vient le punk du mot. Un punk qui symbolise l'effondrement de l'ordre social et les marginaux en opposition au système en place. Et pour comprendre comment ceci s'applique à Coruscant, faut qu'on parle de l'organisation de la ville. La ville est composée principalement de trois zones qui symbolisent cette fracture sociale. On a déjà les beaux quartiers en surface, comme le district fédéral, où on retrouve le Sénat, le temple Jedi, mais dans cette catégorie, on peut plus généralement mettre toutes les grandes tours résidentielles, les bureaux, les commerces, certains lieux de fête, enfin tout ça quoi. Ensuite, on a un intermédiaire qui est toujours en surface et qui s'appelle le district industriel. C'est là qu'on retrouve les manufactures et probablement les populations un peu plus modestes, les vrais travailleurs.
Et enfin, on a bien sûr les bas-fonds de Coruscant, constitués de plus de 5000 niveaux comme on l'avait dit. Un lieu où s'entassent a priori tout type de population, mais où prédominent les plus démunis, ceux qui vivent hors du système en place et qui incarnent ce côté punk. Oui, ça se vérifie un peu dans le canon, mais c'est bien dans ces bas-fonds que sévissent les activités illégales, la criminalité, la contrebande. On retrouve comme dans toute œuvre cyberpunk un contre-pouvoir, le contre-pouvoir des gangs. Bon ok, là je vous l'ai fait en mode enquête d'action, mais ce que je veux illustrer ici, c'est l'idée que sur notre planète ville, cette fracture sociale qu'on observe déjà à des petites échelles, elle ne serait que démultipliée. Et encore, je parle pas ici des autres conflits sociaux, comme ceux liés aux origines des populations, parce que même si Coruscant est majoritairement composée d'humains, sa population est archi-cosmopolite. Donc on retrouverait probablement des quartiers avec des identités culturelles très marquées, et potentiellement des conflits liés à ça. D'ailleurs, vraie question, hein, est-ce que dans les films de science-fiction, les aliens ils sont racistes entre eux? Y'a moyen, bah go débattre en commentaire. Sur ce, on en a fini avec cet aspect social, qui en réalité en cache bien d'autres. La justice, la politique, l'éducation, enfin on vit dans une société quoi. Bon, vous l'aurez compris, le point c'était surtout de montrer que comme il est souvent admis qu'une des conséquences de la surpopulation mondiale ça a été d'aggraver les inégalités, bah on peut considérer qu'avec une telle surpopulation d'une planète ville, bah le phénomène serait encore plus important. D'ailleurs, en parlant de surpopulation et de fracture sociale, ça m'amène au point suivant. C'est là les gars, la ville fortifiée. Yes, pour finir avant la conclusion, lors de mes recherches, j'ai trouvé une histoire cool et je voulais vous la raconter. Cette histoire, elle peut faire penser d'une certaine manière au bas-fond de Coruscant, mais dans notre monde. Enfin, cette histoire, c'est celle d'une ville dans la ville vivant en autarcie et échappant au regard des gouvernements. C'est aussi celle d'un lieu dont les habitants ne voyaient pas la lumière du jour et où s'entremêlaient toutes sortes d'activités illégales. Et enfin, c'est aussi celle d'un lieu qui, à l'instar de Coruscant, détient le record de la plus forte densité de population jamais enregistrée sur Terre, avec un pic qui atteignit 1,9 million d'habitants au kilomètre carré. Voici donc l'histoire de la citadelle de Kowloon. En fait, à la fin du 19e siècle, Hong Kong avait été en grande partie récupéré par le Royaume-Uni suite aux guerres de l'opium qui opposaient justement le Royaume-Uni à la Chine. À cette époque, les Britanniques avaient donc récupéré toute cette partie-là du territoire, sauf une petite zone qui était exclue de la convention signée entre les deux pays, entre autres parce que c'était une ancienne base militaire chinoise sur laquelle ils voulaient continuer à avoir la main. Enfin, toujours est-il qu'on parle d'une zone de 27 000 mètres carrés, qui était donc une terre chinoise située au beau milieu d'un territoire britannique. Donc une terre où personne pouvait vraiment aller et où personne n'avait autorité. Voilà comment cette zone est devenue une zone de non-droit. Au début, le lieu était vite fait squatté, mais globalement à l'abandon, et il avait été détruit plusieurs fois. Mais ensuite, au milieu du 20e siècle, suite à l'avènement de la République Populaire de Chine, bah certains Chinois furent contraints de quitter la Chine pour se réfugier à Hong Kong, et c'est à ce moment-là qu'une importante population commença à se réfugier entre les murs de ce territoire. Un territoire qui portait alors le nom de Kowloon World City. Et le truc, c'est qu'avec le temps, la population de ce territoire augmentait avec l'arrivée de nouveaux réfugiés, mais la superficie, elle, non, elle bougeait pas, elle restait précisément délimitée en tant que terre chinoise sur la colonie britannique. Ainsi, faute de pouvoir s'étendre en superficie, Kowloon City se construisit en hauteur. Si bien qu'avec le temps, hormis au dernier étage, aucune zone de cette ville ne donnait accès à la lumière du jour. Un premier aspect qui, couplé à la précarité du lieu, peut déjà nous faire penser au bas-fond de Coruscant. Mais c'est pas le seul, l'autre aspect qui peut nous y ramener, c'est cette idée de zone où personne n'a d'autorité, de zone de non-droit. En effet, l'absence de loi et de police sur ce territoire a donné naissance à beaucoup d'activités illégales en son sein, notamment toutes sortes d'escroqueries et de trafics qui prenaient place là-bas sous le contrôle des triades chinoises, une mafia bien connue qui sévissait à Kowloon City. Bon après, ce qui ressort c'est surtout les activités criminelles, mais il semble quand même qu'une partie de la population vivait paisiblement là-bas. Toujours est-il que, dans les années 90, alors qu'elle avait atteint un record de densité de population, la citadelle fut évacuée, puis démolie. Voilà, je voulais juste partager cette histoire du lieu le plus peuplé du monde, parce que je trouvais qu'il s'intégrait bien dans notre thématique de surpopulation sur Coruscant et de vie en autarcie par rapport à un système établi. Bon, j'aurais pu encore parler des risques sanitaires dans les planètes-villes, des contraintes géologiques pour construire une telle planète, des risques liés aux catastrophes naturelles, mais c'est déjà assez long comme ça, et on finira donc sur cette petite morale.
Dans la Voie lactée, notre terrain de jeu, c'est uniquement la Terre. On n'a pas de planète de secours, on n'a pas de planète déchets, on n'a pas non plus de voyage interstellaire. Pour nous, Tatooine, c'est juste une ville en Tunisie, c'est pas une planète. Pour nous, Kamino, c'est juste l'océan Pacifique. Et pour nous, Coruscant, c'est simplement Manhattan ou Shanghai. Enfin bref, on reste qu'une civilisation de type 1, et des planètes, on en a qu'une. Quelle belle morale, putain. Allez, got à bord, out.